Alors attention, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? On y va! Oh! Salut à toutes et à tous, ici Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et au menu du jour, on est parti pour une vidéo spéciale pack opening. Cette fois-ci, ça va se passer sur mon troisième et dernier compte Brawl Stars. Il s'appelle Lion TV, il est devant vous. Il possède un peu plus de 9000 trophées à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et on va se diriger tout de suite, pour commencer, dans la page des brawlers, afin que je vous montre un peu les brawlers qu'il me manque, ceux que je n'ai pas encore débloqués. Comme vous voyez, il me manque encore 4 brawlers mythiques, Tara, Mr. P, Wally ainsi que Squeak. Et il me manque encore 5 légendaires, Spike, Orbach, Emery, Ambre. Alors ce que j'aimerais le plus dans cette vidéo, c'est de la Tara, du Spike, du Korbac et du Emery. Alors là je serais refait. On passe tout de suite dans la page du magasin afin que je vous montre désormais mon drop rate, c'est-à-dire mon pourcentage de chance de me débloquer un brawler mythique, légendaire, du pouvoir star, gadget, etc. Alors en regardant rapidement, on voit qu'on est à 0,2% pour du mythique, 0,03% pour du légendaire, pouvoir star, gadget, jeton d'équipement. Je vous laisse faire pause et regardez ça à votre guise. Nous on va commencer tout de suite à s'ouvrir les boîtes. Et quoi de mieux que de commencer par la petite boîte gratuite du magasin du shop. Let's go, va-t-elle nous porter chance? Pas vraiment. Dommage, allez du coup de la ferraille, des pièces, des points de pouvoir pour Rico et Beau, ça régale. C'est parti, on se dirige dans le Brawl Pass désormais et je vais ouvrir toutes les petites boîtes. Ensuite on passera sur les grosses boîtes et ensuite on terminera sur les méga boîtes. Allez let's go, on espère de belles choses. Il faut que je me rappelle d'ailleurs que dès que j'atteins les 2800 pièces, il faut absolument que j'améliore ma Jessie au pouvoir 11. Ce sera trop pratique pour ce petit compte les gars. Vraiment Jessie P11, ça fait le café, surtout dans des modes comme braquage, hein, je pense. Vraiment braquage. Oh, Jessie, elle est toujours forte sur certaines maps. Allez, on a encore quelques petites boîtes à s'ouvrir. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 au total. Ensuite, on a un peu plus d'une vingtaine de grosses boîtes à s'ouvrir, donc c'est pas mal du tout. Et il me semble avoir une bonne dizaines de méga boîtes juste pour cette vidéo. Let's go! J'ai farmé d'ailleurs les quêtes de chasse ouverte ainsi que de cargaison, là où il fallait faire les 15 victoires. Aïe 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 aïe, quelle difficulté la cargaison les gars. Vraiment rien ne va dans ce mode de jeu, hein. Au début j'étais content avec ce mode, je me disais hey, ça va être cool, ça va être un peu ça va nous rafraîchir sur Brawl Stars, un mode un peu à la Team Fortress et tout, faut rester à côté du wagon qui avance avec ta team. Mais en fait, il n'y a rien qui va au niveau de la hitbox et tout. Il y a des brawlers totalement fumés dans ce mode comme, je sais pas, Squeak, Billy, Jackie. Enfin, bref. Allez, je vous propose de retourner tout de suite à la saison précédente. On va s'ouvrir toutes les grosses boîtes que j'ai à m'ouvrir. Let's go, on n'a pas une seconde à perdre. Allez, franchement, j'aimerais trop débloquer Korbac ou Emery. Aïe, aïe, aïe. Ou même Spike. Franchement, ces trois brawlers, ils sont super utiles sur Brawl Stars dans la méta actuelle. Et même Tara, j'ai même pas encore Tara sur ce compte, donc ce serait vraiment nice. Même juste un brawler mythique, franchement, ça m'irait très très bien. L'un des 10 nouveaux gadgets peut-être, qui est sorti sur le jeu aussi, ce serait cool. C'est lequel d'ailleurs le meilleur des 10 nouveaux gadgets, je me demande. À mon avis, c'est pas celui de Byron déjà. Attendez. Oh, il y avait des jetons d'équipement vitesse. J'avais que 13 pièces dans cette boîte, donc j'ai cru à un petit miracle. Mais il y en a vraiment des pas mal, hein. Celui de Billy, il a pas l'air ouf. Je préfère me régénérer les PV avec Billy, personnellement. Celui de Ems, pareil, pas ouf du tout. Par contre, celui de Belle, il m'intéresse beaucoup, hein. Celui avec le rebond, il peut être vraiment pas mal dans certains modes de jeu, je pense. Donc voilà, on va espérer celui-là. Je ne veux pas le nouveau gadget de Squeak, par contre. Bah, je crois que j'ai pas encore débloqué Squeak sur ce compte, donc ça règle le problème. Mais franchement, le nouveau gadget de Squeak qui permet d'utiliser la vision dans les buissons et tout, là où il tire, je suis pas spécialement fan. Je l'ai pas encore vu, en fait, utilisé en jeu. Donc on verra une fois que je le verrai s'il sera vraiment utile. En tout cas pour l'instant on continue d'enchaîner les grosses boîtes spécialement pour cette vidéo. Let's go, let's go. Alors j'avais compté combien j'en ai, 26 des grosses boîtes au total sur ce compte quand même, hein. C'est pas mal du tout. On continue, c'est la dernière grosse boîte de la saison précédente que j'avais économisée. Bon malheureusement elle nous a pas porté chance, le chiffre 1 qui n'a pas encore clignoté. C'est vraiment ce qu'on attend en tout cas pour cette vidéo. Alors vous remarquerez que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de débloquer le brawler que je suis sûr à 100% de débloquer dans cette vidéo. Let's go, la petite Eve. Peut-être que je peux la monter pouvoir 7 et ainsi débloquer son gadget. Donc on va faire ça tout de suite. Alors c'est quoi la description de Eve? Eve croit dur comme fer que n'importe qui peut lui être utile et lui servir de ressource pour ses larves. Wow.
Le texte, il est dark en vrai, hein. A few moments later. On continue, on revient sur les grosses boîtes. Let's go. C'est parti. Première grosse boîte de la saison. On va espérer le meilleur. Ouh là là, direct, la première boîte de la saison qui comporte un qui clignote. 3, 2, 1. Ok, le gadget de Brock, Mega Rocket. Let's go, il est très très utile celui-là. Donc, welcome to the family, bienvenue chez nous. Allez, on enchaîne. Grosse boîte du palier 3. Nice. Ça fait plaisir de s'être débloqué un petit brawler, en tout cas, le chromatique, la Eve. Dites-le moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez déjà débloqué Eve, le chiffre 1 qui clignote juste avant que j'appuie dessus. N'oubliez pas le rappel habituel, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la cloche. Et c'est parti, 3, 2, 1. Un nouveau gadget, et cette fois-ci c'est celui de Shelly, bouton avance rapide qui lui permet de dasher en avant. Il est pas mal, mais beaucoup de joueurs jouent surtout pigeon d'argile en ce moment. C'est vrai qu'il est très utile avec Shelly vu qu'elle peut pas tellement attaquer de loin. Ça la rend un peu plus versatile, je trouve. Allez, on y va, on enchaîne. Ouh, deux objets restants seulement dans cette grosse boîte. Waouh, cet écran, il fait trop bizarre. J'avais l'impression que j'avais un nouveau brawler dedans. 38 points de pouvoir, bah vous savez très bien à qui ils vont aller. Direct à Eve. Voilà, comme ça c'est fait. 408 sur 130. On va attendre d'avoir un petit peu plus d'argent, je pense, pour l'améliorer. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est ici. Je peux la mettre P6. Et on a les points de pouvoir pour la mettre P7. Donc il nous faut 480 pièces. On retournera sur elle lorsqu'on aura les 480 pièces, tout simplement. Allez, on y va. Toujours et encore de la grosse boîte. On n'a même pas encore ouvert une seule méga boîte, c'est incroyable. Let's go. Oh là 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 là, le pack d'émoticônes du palier 10 également qui nous attend. Mais ça, je les garde pour les lives. Ça, j'aime bien les ouvrir en live. 54 points de pouvoir Joker dans cette boîte. Bah, let's go, ça va. Eve, direct. Voilà, super. On continue. Palier 13. On va aller jusqu'au palier 30 comme ça, de façon, les gars. Donc, on y va. Je disais avant ça, le mode cargaison, ouais, pas au top. Hein. Franchement, le mode chasse ouverte, par contre, il est très très sympa. La map qu'il y avait hier, elle était cool. Beaucoup de corbacks dans la map d'hier. Pendant mon rush, Tara rentrante qui n'a pas été un fort succès. On est resté aux 800 trophées. C'est un truc de ouf. Le niveau quand même sur Brawl Stars, il y en a, ils jouent super bien. Il faut encore que je m'améliore beaucoup beaucoup avec Tara si je veux la monter rentrante. Et je pense que d'ailleurs aujourd'hui même, bah, je vais retenter l'exploit, les gars. Hein. On va réessayer. Peut-être en Brawl Ball, là, une bonne map, j'ai pas encore regardé. Allez, on passe à la grosse boîte du palier 19. On y va. Ok, toujours pas de chiffre 1 qui clignote. Pas encore de nouveaux brawlers autre que F pour l'instant dans ce pack opening, donc on perd pas espoir. 79 pièces ici. Le chiffre 1 qui clignote toujours pas. 46 points de pouvoir pour Fang. Délicieux. Ok, on est déjà au palier 23. On va bientôt passer aux méga boîtes. 41 pièces là-dedans. Le jeton d'équipement résistance du coup. Très bien. Jeton d'équipement résistance qui ne sert pas encore à grand chose hein, sur le jeu. Ils ont remodelé le jeton d'équipement santé, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut encore faire des efforts et aller jusqu'au jeton résistance Supercell afin que bah, les joueurs commencent à l'utiliser. Parce que bon, tout le monde utilise bouclier, vitesse, dégâts, ça change pas. Un petit peu la santé, peut-être un peu plus, et encore. Allez, let's go. Grosse boîte du palier 27, c'est la deuxième. On les enchaîne très rapidement là aujourd'hui. Ok, on est à la fin. Oh là 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 là, c'est ma dernière grosse boîte. Ensuite, on passe aux méga boîtes. Ok, 44 pièces. Des points de pouvoir Joker à nouveau. Le doubleur de jeton qui fait plaisir. Allez, bim, ça va encore et toujours sur ma petite Eve. Voilà, nickel. On a assez de pièces d'ailleurs pour l'améliorer P7. Allons-y tout de suite. Hop, améliorer, 480. Voilà, on va pouvoir commencer à se débloquer son gadget, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour toutes les méga boîtes qu'on a à s'ouvrir dans cette vidéo spéciale pack opening sur mon troisième et dernier compte Brawl Stars. La première avec le nez. Boum. Chiffre 6, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel dans celle-ci. Ça m'étonnerait qu'on y trouve un nouveau brawler. Ni même un chiffon qui clignote, dommage. On passe à la deuxième méga boîte de la saison précédente, la saison 10, l'année du tigre. Alors, est-ce que ça marche avec mon pull? Non, ça marche pas avec le pull. Il va falloir se retrousser la manche. On y va, 3, 2, 1. Let's go! Chiffre 7, peut-être quelque chose d'intéressant si jamais il n'y a pas de jeton d'équipement. Ouh, il n'y a pas de jeton d'équipement. Donc à mon avis, le chiffre 1 va clignoter. Yes, 3, 2, 1.
un pouvoir star, celui de Belle, oh là là, celui qui est inutile et que personne ne joue à plat. Eh ben écoutez, c'est moi qui suis à plat après avoir débloqué ce pouvoir star qui est vraiment inutile au possible. On attend un rework, un remodel hein, de ce pouvoir star parce que l'autre est tellement plus utile, mais vraiment c'est un truc de ouf. Allez, on continue. Alors j'ai pas regardé, je crois que c'était chiffre 6 là. Ouais, malheureusement le chiffre 1 qui ne clignote pas dans cette troisième méga. On enchaîne, la quatrième, celle du palier 68, c'est la dernière de la saison précédente. Let's go! Oh, le chiffre 8! C'est énorme! C'est énorme! Bon, jetons d'équipement résistance, ça veut dire qu'il y aura que le chiffre 1 qui va clignoter normalement, si mes calculs sont bons, si les théories sont vérifiées. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors attention, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? On y va! Oh! Oh! La mec! Let's go! Incroyable! Un brawler légendaire! C'est vraiment pas le brawler légendaire que je souhaitais, mais c'est mieux que rien! Meg! J'ai l'impression que Meg, c'est le brawler légendaire le plus facile à débloquer. Dites-le-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez comme moi? Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle est archi facile à débloquer. Je l'ai sur tous mes comptes maintenant, je crois. Aïe, 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 mais en tout cas, ça fait plaisir cet écran Jonah. Let's go! Un brawler légendaire, c'est incroyable! Regardez-moi cet écran, toutes ces récompenses! Yes! Et en plus, c'était ma dernière méga, ma dernière boîte tout court de la saison 10, l'année du tigre. Ciao, ciao, l'année du tigre, à bientôt. Merci, tu m'as bien rendu service. En tout cas, on continue d'ouvrir les mégas. Un sourire sur mon visage grâce à cette Meg. Aïe, 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 qu'est-ce que ça fait plaisir! Elle reçoit ses premiers points de pouvoir. Yes! Oh là là là, comment je m'attendais pas à ça. J'aurais préféré un Spike, un Korbach ou un Emery. Hein. Je vous le dis, même une Ambre, j'aurais kiffé. Mec, c'est celle que je voulais un peu le moins, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est très spéciale à jouer, en fait. Très très spéciale, mais forte quand même sur certains modes de jeu, il va falloir que j'apprenne. Allez, on enchaîne, on continue les méga-boîtes. Imaginez un deuxième brawler légendaire, même un mythique. Wow, 4 jetons d'équipement, mais résistance, frérot, respecte-moi. Donne-moi des jetons d'équipement dont je vais vraiment me servir. Résistance, là, ça sert à R pour l'instant. J'aimerais bien débloquer le gadget de Eve aussi, hein. Ce serait vraiment frais. Il nous reste combien de mégaboîtes, là? Ouh, 2 mégaboîtes dans le Brawl Pass. Et ensuite, on en a une troisième, une dernière, qui est cachée sur mon compte. On ira la chercher en dernier. Chiffre 7, jetons d'équipement. Bouclier, x2. C'est mieux, déjà. C'est mieux, hein. Allez, let's go. On perd pas espoir. J'aimerais bien débloquer Tara, quand même. Avant-dernière méga boîte de SPAC opening, nous y sommes déjà. Le coup de qui m'a bien servi. On abuse de sa chance peut-être. Jetons d'équipement dégâts, nice. x1, pas nice. Et du coup, bah, c'était l'avant-dernière. Hein. On va chercher la dernière méga qui est cachée sur mon compte, les amis. J'ai tout ouvert ici. Nickel Chrome, elle est là. C'est la méga boîte des 9000 trophées que j'ai dépassé récemment sur mon troisième et dernier compte Brawl Stars. Allez, c'est parti! C'est la dernière de cette vidéo, avec le nez. Aïe, 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 le chiffre 6 qui fait mal à mon petit cœur. Chiffre 6 qui veut dire, il n'y a rien là, Yann, il n'y a rien du tout dans cette méga. Voilà, il n'y a que des points de pouvoir, hein. Ce qui est déjà pas mal. C'est cool, on va pas se plaindre, mais malheureusement, pas de nouveau brawler. Bon, bah c'est cool quand même, hein. On a débloqué Meg, les gars. Aïe, 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 je suis refait. On arrête ce pack opening sur ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Layan. Ciao, ciao les potes.